Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir le nouveau radar Varia RTL pour cyclisme de Garmin. Après quelques années avec la première génération, ben voilà, Garmin a annoncé le nouveau modèle. Donc les principales différences par rapport à la première génération, c'est déjà le format. On voit qu'il est plus longiligne par rapport à la première version qui était plus horizontale, et puis surtout l'intensité lumineuse qui est largement revue à la hausse. Au niveau du fonctionnement général, ça reste vraiment pareil à l'utilisation de la première génération de Varia, à savoir on le fixe à l'arrière de son vélo, on choisit le mode de fonctionnement, clignotant ou fixe. D'ailleurs, ce nouveau RTL 510 propose un nouveau mode qui est le clignotement pour la journée, donc avec une intensité lumineuse plus élevée. Et puis ensuite, eh bien, simplement, on va connecter le compteur Edge ou la montre Garmin compatible pour afficher les véhicules qui approchent par l'arrière. Il est également possible d'utiliser l'afficheur du bundle, c'est-à-dire un afficheur dédié pour afficher la proximité des voitures Varia. Par contre, cet afficheur, franchement, je ne le recommande pas forcément. Il est très bien en termes de luminosité, mais par contre, comme il a ni vibration ni alerte sonore, eh bien, il permet difficilement d'exploiter pleinement le Varia. Donc, je recommande vraiment de l'utiliser avec un compteur cycliste Garmin ou alors avec une montre type Fenix 5 qui le supporte. Voilà, je vous propose maintenant de découvrir le fonctionnement du Varia RTL 510 en vidéo. Pour ça, j'ai filmé le Varia lui-même, j'ai filmé le Edge Explore qui va afficher la proximité des voitures et puis une vue aérienne avec le drone pour qu'on voit un ensemble, une vue d'ensemble de la scène pour voir exactement ce qui se passe et à quel moment. Voilà, et puis enfin, j'ai comparé les deux Varia sur mon vélo lorsqu'une voiture approche pour qu'on se rende bien compte de la différence en termes de luminosité qui est proposée par les deux versions du Varia RTL. Voilà pour cette vidéo de présentation du Varia RTL 510, j'espère qu'elle vous aura été utile. Moi je vous donne rendez-vous bientôt sur nakan.ch pour de nouveaux tests et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. À bientôt !